Bien, et donc nous nous retrouvons pour l'épisode 68 de Bleach Brave Souls et on va commencer le film Memories of Nobody. Ah, ce film, c'était le premier film de Bleach. Le premier film long métrage, donc qui était je l'ai pas trouvé spécialement ouf comparé notamment à Diamond Dust Rebellion. Ou Fate to Bake, hein, mais ça annonçait déjà que les films seraient quand même bons. C'est pas le meilleur des quatre films, mais honnêtement, il est plutôt cool. Ah, c'est l'anniversaire de Mélanie, tiens, ou de Loli, enfin, d'une des deux sœurs là. Bon, excusez-moi, c'est parce que la journée vient de commencer, donc évidemment, je reçois tout ce qu'il faut. Il faudrait que je jette un œil aux médailles, mais je crois pas que j'ai suffisamment de médailles pour avoir un 5 étoiles. Je regarde juste ça rapidement. Change de médaille. Médaille d'anniversaire. Non, j'en ai 9, donc c'est non. C'est non. Avant de commencer, regarde un peu. Non. On va commencer l'arc Nozomi. On vient de le finir. L'arc Memories of Nobody. Et donc c'est parti. Bureau de développement technique. Quelle est la situation? La dimension continue son expansion. Nous avons envoyé les commandos secrets. J'ai établi le contact. Ils vont traverser dans 10 secondes et pénétrer dans la dimension. La situation est critique. L'équipe n'a pas réussi à entrer. Envoyez des renforts de toute urgence, je répète. Que se passe-t-il? La sortie. Filez vite, on va être absorbé par le Koryu. L'équipe n'a pas réussi à pénétrer dans la dimension. Ils sont coincés entre les mondes. Et vous m'entendez? Pourquoi n'avez-vous pas réussi à entrer? Répondez, allô? Il s'enfuit. Donc Ichigo qui poursuit en holo. Hein. Ichigo, n'utilise pas ton badge de suppléant. Pourquoi ça? Il est là pour ça. Tu laisses toujours ton corps n'importe où. Et après, je dois réparer les dégâts. Par exemple, une passante approche. Vous avez un problème? Oh mon dieu, il ne respire plus. Appelez une ambulance. Non, un corbillard. Tu vois l'idée? Un corbillard, bah voyons. Ça vient de la gare. Oh, problème de chargement. Problème de chargement du fond, là. Voilà, c'est mieux comme ça. Quoi cette énergie? Je l'ignore, j'en ai jamais senti une comme ça. Oh! Oh oui! Oh, c'est le terrain de... Justement, c'est le terrain qui fait référence au film. Waouh! Alors là, chapeau les gars. Alors là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est le décor justement d'une des de la scène du film qui est en train de se dérouler. J'approuve. J'approuve
Complètement. Oh oui, et ils ont même intégré les sans les ces créatures. Oh oui, les fantômes blancs. Bien sûr, ils ont intégré ça. Donc c'est cool. Les autres ne les voient pas. Ça doivent être des âmes. Cache-toi après ici. Attends, ne me laisse pas. Hein, quoi? Voilà, les blancs. C'est ça, je cherchais le nom. Les blancs. Ichigo essaye de libérer ses âmes. Quoi, un conso? Bon, ça me coûte rien d'essayer. Ça marche pas. Donc ils peuvent pas les libérer en appliquant le pommeau pour faire un conso, donc pour libérer l'âme. Mais enfin, ça a pas l'air d'être des holos, donc ils vont pas attaquer non plus. Quoi? Une Shinigami. Et toi, que fais-tu? Attire-les dans les ténèbres. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ce sont pas des holos. Ferme-la, crétin. Crétin? Et tu te crois où? Attire-les dans les ténèbres, Mirokamaru. Quoi? Que s'est-il passé? Ils ont disparu. Ouais, j'ai réussi, yeah, je suis trop fier. Toi, quand as-tu repris ton corps? Va savoir. Tu es quoi? Par contre. C'est la bonne couleur du ruban? Ouais, non, ouais, c'est ça. Elle commence avec un ruban jaune, puis après il devient rouge, je crois. Tu es quoi? Une Shinigami, tiens. Ça, je sais. Avant de poser des questions, on se présente. Je suis Ichigo Kurosaki. T'es drôlement obéissant, toi. Moi, c'est Senna. John Senna! Pardon. Oh oui, faut que je fasse le montage. Oh, faut que je le fasse le montage. Je le ferai. Vous l'aurez. Mais c'est John Cena! Ah ouais, je le ferai. C'est sûr, je le mettrai. Pourquoi tu as fait ça? Enfin, je pense que je l'aurais mis. Sinon, j'aurais vraiment oublié. J'en suis désolé. C'est évident, non? Sais-tu quelque chose sur ces créatures? Sachant que j'ai, enfin vous l'avez peut-être vu, j'ai Senna dans les personnages 6 étoiles que j'ai. Je l'ai, hein. Ça va pas, je le savais. Le jaune ne me va pas du tout. On s'en fiche. Viens avec moi. Et attends, j'ai des questions à te poser. Alors, j'ai refait un spin hier de un tirage en fait de en magasin et j'ai toujours pas Yachiru, hein. Je l'ai toujours pas et je n'ai que 8 ouais, c'est ça que 8 tickets désir. J'attends d'en avoir 10 pour pouvoir voilà quoi, pour les lancer tous en même temps, espérer avoir Yachiru dans le lot. Honnêtement, ce sera ma dernière chance quelque part. Tu as vu cette grande roue? J'ignorais qu'il y en avait une. Ah, vous voulez parler de quoi? Quelle est ton affectation? Je me souviens pas de ce genre de détails. Ah, voyons, quelle division? Écoute, tu as un Zanpakuto et tu sais t'en servir, donc tu es une Shinigami. Tu dois forcément appartenir à une division. Ah, j'ai oublié, c'est tout. Où est le problème? Ouais, genre, t'oublies à quelle division t'appartiens, quoi. Enfin. Tu sais ce qu'étaient ces créatures? Je sais pas non plus. Mais j'ai pensé qu'il fallait s'en occuper. À l'instinct, ça arrive, non? C'est qui cette fille? Ichigo, je vais retourner à la Soul Society. Je n'arrive pas à les joindre et cette situation m'inquiète un peu.
Ne perds pas cette fille des yeux. Et non. Ne me la refile pas. Et Ichigo, elle est partie. Non. C'est pas vrai. Ah, c'est par là. J'adore. J'adore le décor. Franchement, total approved. Oh, c'est bête, ils auraient dû mettre des blancs partout, quoi. Enfin, c'est... Parce que là, c'est principalement des blancs, quoi. Alors, qu'est-ce que les blancs, si vous n'avez pas vu le film? Honnêtement, allez voir le film avant. Allez voir le film avant. Non, attends. Tu as dit que tu m'obéirais si je te répondais, pas vrai? J'ai jamais dit ça. Si on joue à chat, j'ai pas dit oui. Attends. Honnêtement, ouais, ils sont vraiment classe les. Le décor est vraiment classe. Attendez, on va explorer un petit peu, hein. Encore une fois, c'est ça qui manque au jeu, quoi. Plus d'exploration. Honnêtement, explorer les décors, je kifferais, quoi. Honnêtement, c'est super. Honnêtement, je trouve ce terrain super beau. Donc on en profite, hein. On profite un petit peu, j'explore un petit peu. Hein. Honnêtement, je découvre ça avec vous. L'intégration au jeu, honnêtement, est vraiment cool. Je te jure, allez, montre-toi. Où es-tu? Et tu peux me dire à quoi tu joues? Rengiku, Toshiro. Ça faisait un bail. C'est Capitaine Itsugaya pour toi, pas Toshiro. Le petit running gag. Que faites-vous ici? Il faut qu'on parle. Allez, qui tu ventes? Il faut qu'on parle. Je suis un peu occupé là. Viens avec nous. Et une minute. Bon sang. Pourquoi je passe moi? Aujourd'hui à minuit 50, une ville du CRIT, une ville de votre monde est apparue au-dessus du CRIT. On a détecté un déversement spirituel dans ce monde. Peu après, la liaison entre nos mondes a été rompue.
Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer plus simplement. Excusez-moi, j'ai passé une partie du dialogue. J'étais concentré sur autre chose. On a quoi? Rukia. Rukia Instinct, d'accord, ok. Bon. Excusez-moi, la journée a été rude, on est en fin de journée, et ça a été rude là. Dans notre univers, il y a le monde des humains et la Soul Society. Entre ces deux mondes, il y a un espace qui les empêche de se toucher. Mais il y a 3 jours, une nouvelle dimension est apparue dans cet espace, entre les deux mondes. Elle a grossi jusqu'à les toucher. Maintenant, cette dimension agit comme une sorte de lentille. J'adore le dessin. Et permet de voir une ville du monde des humains depuis la Soul Society. Un peu comme un mirage, en fait. Un commando a été envoyé pour enquêter, mais leur mission a échoué. Notre seule option est d'enquêter sur le déversement spirituel. Je suis chargé de cette opération. Pourquoi toi? Les autres n'étaient pas motivés. Ça n'a aucun rapport. Ça explique ces créatures. Tu as vu quelque chose? Ouais, des créatures en blanc avec des chapeaux pointus rouges. Des Blanks? C'est la vallée des cris? Tu es prêt? Tu es prêt pour une explication numéro 2? Comme tu le sais, les âmes voyagent entre ici et la Soul Society. Cependant, il arrive que certaines d'entre elles se perdent et soient exclues du cycle des réincarnations. Ces âmes errent alors sans fin entre les mondes avant de se coller les unes aux autres. Leur masse finit par créer une dimension appelée la Vallée des Cris. Là, leur mémoire et leur énergie sont séparées pour revenir dans le cycle des réincarnations. Kurosaki, ces créatures sont des âmes séparées de leur mémoire, les Blanks. Et qu'arrive-t-il aux mémoires? Elles se rassemblent en une seule entité qui revient dans ce monde. La Shinenju, c'est ainsi qu'on la nomme habituellement. L'apparition de la Vallée des Cris est naturelle. Nous l'avons déjà observée de nombreuses fois, mais cette fois, le problème est qu'elle a relié le monde des humains à la Soul Society. C'est si anormal que ça? Il est impossible qu'un tunnel entre deux étoiles se forme tout seul. Là, c'est la même chose. Quelqu'un a provoqué ça délibérément. Ah, ça me rappelle. Avec ces monstres, il y avait un type avec une armure bizarre. Je l'ai vu. Une armure? Te souviens-tu de plus de détails? Bien sûr, je m'en souviens. Alors, bon, attendez, je me souviens, Poc. Laisse-moi analyser ça. Merci bien. Quoi qu'il en soit... si c'est un acte délibéré, c'est de la malveillance. Donc là, parce que ça n'a pas été très bien clair, hein, en fait, ils ont extrait la pilule d'âme de Khan pour vérifier la mémoire de Khan et donc avoir les informations sur ce qu'il a vu. Dans quel but? Je n'en ai aucune idée, cependant, ce n'est que mon intuition. Mais peut-être... Excusez-moi. Voilà. Mais peut-être qu'il cherchait la Shinenju dans ce monde. Enfin, je pense. Ok. «
Nous devons identifier notre ennemi. Je te charge de surveiller la ville. Je suis sûr qu'ils vont se montrer à nouveau. Et si tu le peux, trouve la Shinenju. Facile à dire. Je dois trouver cette fille d'abord. Par où vais-je commencer? Oh, tu es revenu, c'est vrai? Bien sûr, j'ai encore des questions à te poser. Alors, c'est toi le chat? Non, écoute-moi. Ah, c'est en haut. Ok, c'est des fileurs. Ok, hop. Enfin, si, on avait une cinématique au début, donc c'était pas vraiment filaire, mais. Bon. Hop. Ok, ça c'était un épisode filler. Ça c'était un. Ah non, 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 il y a une cinématique. Regardez, il y a quelqu'un. Là-haut, regardez, j'ai un message apparemment. Senna, que fait-elle? C'est un numéro. Je me sens si bien. Ah! Où est-elle passée? Elle a disparu. Ouais, ça vous a plu? Voilà, elle fait son numéro face au passant. Elle a fait le film en bulle et tout. Senna a la particularité, c'est très voyant dans le film, enfin voilà, c'est même remarqué dans le film, de vouloir toujours être en hauteur. Elle se sent bien en hauteur. Ok, à mon avis, le 2 étoiles instinct, là, je l'ai pas maxé, celui-là. Bon appétit. Si j'avais su que tu payais, j'aurais accepté de répondre dès le début. Tu n'as pas d'argent, c'est ça? Bon, parlons un peu. De quoi? Je viens de t'expliquer. Qu'est-ce que tu sais au sujet des Blancs et de la Shinenju? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc quelqu'un veut trouver la Shinenju. Bon, donc c'est ça qu'il cherche. Et qui c'est ce quelqu'un? On essaye de le savoir. Dans quel but? Je l'ignore. La Shinenju ressemble à quoi? Aucune idée. C'est mal barré. Donc tu es obligé d'attendre que les chapeaux pointus viennent. D'accord, je veux bien t'aider, mais en échange, je m'y attendais. Fais-moi monter là-dessus et je t'aiderai. Tu aimes être en hauteur, toi. Quand on est au-dessus, tout ce qui est confus et en désordre devient clair. Dis ton ruban. Ah, tu as remarqué? Le rouge, c'est plus mignon, non? Non, comment tu l'as eu? J'ai vu une boutique, je l'ai essayé et. Je l'ai oublié, ça arrive, non? Ça ne se fait pas. Je vous remercie. Tiens. Tu y es retourné pour payer? Tu es sérieux, toi?
Silence, je déteste ce comportement. Merci. Et la grande roue? Jamais de la vie. Radin. Les lycéens ne roulent pas sur l'or. Feu. Hé hey. Laisse-moi, je vais aux toilettes. Hihi, il est de bon côté. Voilà, parfait. Cette rivière. Papa. Elle en met un temps, hein? Mais c'était noir de monde. Suivante. Je pense qu'on va réussir à faire cette arc, à mon avis, en... Enfin, le film, à mon avis, en 3 épisodes. Je pense qu'en 3 épisodes, on peut le faire. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je pourrais pas la faire entièrement lors de cette session de tournage. Cette tombe, c'est mon enterrement. Papa, maman. Ah. Tu es plus agile que je ne pensais. Quoi encore? Que... Oh. Que me veux-tu? Viens avec moi, notre seigneur Ganju te demande. Genryu, pardon. Genryu, je ne connais pas ce type. Tu n'as pas à le connaître, tu n'es qu'une... Je t'ai dit de ne pas bavarder. En plus, tu lui sautes dessus. Ah, je vais l'attaquer dans un instant. Ouais, donc ça c'est le cimetière. Bon. Je crois qu'on l'a jamais vu. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'épisode. Non, on n'a jamais eu d'épisode là-dedans. Mais... Bon, on a Jay. Bon, on y va. Où crois-tu aller? Je ne t'ai pas vu arriver. Ah, mon bras, il l'a coupé. Ah, c'est le dommage des sprites, c'est qu'on n'a pas tous les détails, mais bon. Pourquoi tu traînes ici, Ichigo? Je fais ce que je peux. Je fais ce que je veux. Je ne crois pas, tu as une promesse à tenir. Tu vas me le payer, tu vas voir. Jay, arrête. Ce n'est pas encore le moment. Bon sang. Et attends. Ouais.
On est proche de 250 hommes quand même. Oh, c'est sûr que là ce soir je refais un spin. Vous verrez bien si j'ai Yachiro au prochain épisode ou pas. Ou j'attendrai le prochain tournage, mais je pense pas. Zut. Ok. Et voilà, c'est la vérité. Des voyous l'ont agressé. C'est juste pour une nuit. Je m'appelle Senna. Wow. Oh, elle est cool cette image. Avec Yuzu au premier plan. Yuzu Kurosaki, je te souhaite la bienvenue. Yuzu, elle peut dormir dans ta chambre. Ah, la bonne âme de Yuzu. Ta chambre sera bientôt prête. Ben dis, une chambre de garçon, c'est drôlement triste. Ne commence pas. Ta famille a l'air sympa, tu trouves? Comme ton père. Ça ne va pas? Si, si, tout va bien. Tu sais pourquoi ces gars t'ont attaqué? Ils m'ont rien dit. Un certain Gan, je sais plus trop quoi, voulait me voir. Quoi d'autre? C'est tout. Si tu n'étais pas arrivé, j'aurais su. Comment? Et ne t'endors pas sur mon lit. C'est bon. Pas du tout. Chut. Elle va s'endormir dans son lit. Le jour tant attendu est enfin arrivé, que dois-je faire? Je peux savoir ce que vous faites. Kurosaki, Urahara à l'appareil, tu as trouvé quelque chose sur la Jinenju? Ah, Jinenju, voilà. Non, mais j'ai un accrochage avec les gens que Kon a vus. J'ai eu un accrochage, pardon. D'accord, en parlant de ça, nous avons trouvé quelque chose. J'ai analysé les images de la mémoire de Kon. D'après son armure, l'homme qui était avec les Blancs, il appartenait à un clan qui a été banni de la Soul Society après avoir tenté d'en prendre le contrôle. Il est donc clair qu'ils nous en veulent, mais leur objectif reste un mystère. Je peux te poser une question? Est-ce qu'il est possible qu'un Shinigami se souvienne de sa vie d'avant? Voyons voir. Non, j'en doute. Pourquoi cette question? Pour rien, je me demandais, c'est tout. Alors, c'est quand même. Enfin. Ichigo, il est devenu Shinigami à 15 ans, lorsque Rukia lui a transféré ses pouvoirs. Et il n'a pas perdu ses pouvoirs d'avant ses 15 ans. Donc, théoriquement, si, un Shinigami. Enfin. Un Shinigami peut avoir des souvenirs de sa vie d'avant de Shinigami si il devient Shinigami pendant qu'il est humain. Voilà. Et donc, ils vont partir dans une théorie alors que, basiquement, Ichigo, par exemple, bah, colle à la théorie également. C'est un petit peu bête niveau scénaristique, mais voilà. Puis lorsque, voilà, même lorsque Byakuya, lors de sa première attaque, détruit les pouvoirs d'Ichigo et que Urahara rend ses pouvoirs à Ichigo et lui apprend son Sekai,
Comment? Pareil, quand Ichigo sort du trou en devenant un vizard, mais en fait un Shinigami, il perd pas ses pouvoirs, enfin, il perd pas ses souvenirs d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il n'y a pas de. C'est un peu bizarre comme question, enfin voilà quoi. Le lendemain. Dis, tu crois qu'ils vont se montrer? J'en sais rien, mais notre seule piste, c'est que les Blancs sont apparus ici. C'est pas amusant. En plus, il y a un monde fou. Il n'y a pas autant de gens d'habitude. Senna, ne t'éloigne pas de moi. Hé! Je sais pas ce que j'ai, je reçois un tas de notifs. Ok. Excusez-moi. C'est des jeux, visiblement, mais. C'est chiant. Ben. Je vais peut-être désinstaller quelques jeux. Je joue à pas mal de jeux sur téléphone. Mais. Honnêtement, je crois que je vais en désinstaller pas mal. Faut savoir que sur téléphone je joue à pas mal d'idle games, voilà, si vous connaissez un peu le genre. J'aime beaucoup ce genre de jeu, les idle games, qui sont des jeux de gestion vraiment pas compliqués. Ça, c'est de la semi-gestion. Voilà, je joue beaucoup à ce genre de choses. Et Senna, par ici. Tu as été attaqué hier, ne traîne pas n'importe où. Une âme. Wow. Moi, je m'appelle Senna, et toi? Tomoya. Tu peux me dire ce qui va pas? C'est bon papa, il est plus là. Nous allions à une fête en voiture et à mon réveil il n'était plus là. Je vois. Dans ce cas, ton papa doit être au paradis. C'est pas vrai, mon papa est en train de me chercher. Ah bon? Alors tu veux qu'on le cherche tous les deux? Tu veux bien? Oui, bien sûr. Attends, là on est censé. On n'a pas de piste, pas vrai? Ça sert à rien de rester ici. Allons-y. On fait le ménage rapidos. On connaît ces ruelles. On a fait pas mal de niveaux dedans. Et voilà. À 40 minutes, on va terminer ce tableau et puis on s'arrêtera là. Je pense. Ou alors, s'il y a une cinématique après, on va la faire. Je pense que ça rentre. Bien, allez.
pas réussi à briser son armure. Voilà. Ok. Ok, donc ça c'était filler, complètement filler. Allez, hop. Allez, quête suivante, si c'est une cinématique. Non, c'est pas une cinématique. On a 40 minutes. Ouais, y a que 4 niveaux, on peut peut-être les faire. On peut peut-être les faire. Il n'y a pas de cinématique apparemment, donc on... Ok, niveau filaire, je sens. Hop, on va faire ça rapidement. Merde. Attendez pas à me retrouver entre trois personnages vivants. J'ai senti le piège hein, quand il y avait le holo tout seul, mais je me suis pas dit que ce serait des givrants en fait, des holo givrants. Ah bah si c'est un tableau entièrement de filler, honnêtement, enfin ça fait référence au passage en fait que voilà où Senna et Ichigo suivent le gamin à travers quasiment toute la ville. Puis voilà. Ah. Tu comptes continuer ça longtemps. Il n'y a pas de fête ici. Et rien ne nous garantit que son père soit encore ici. On va le trouver. Ce garçon va bientôt devoir quitter ce monde. Et un long voyage l'attend. C'est son dernier souhait. Ce serait triste de ne pas l'exaucer. Je suis incapable de me contenter d'un conso. Je veux lui offrir un dernier souvenir heureux. C'était gros, c'est où le nom? Ok, j'ai mis 300 ennemis aujourd'hui, donc c'est bon. Ah d'accord, je suis pas de la bonne affinité là. Bon. Voilà. Le bus quoi. Alors, mademoiselle par ici, viens voir. La fête est toujours là. Petite, je venais souvent ici. Ok. Nombre de personnages maximum atteint. Ok, très bien. Donc, on va juste faire un tour rapide. Voir si, justement, dans les 2 étoiles, les 3 étoiles que j'ai récupérées, s'il n'y a pas des nouveaux. S'il n'y a pas des nouveaux que je pourrais
maxer éventuellement. En effet, il y a la Senna 2 étoiles que je peux maxer. Ganju a déjà été maxé. Bon, on va maxer ça rapidement. Bon, on va faire ça comme ça, l'ancienne. Ok. Bon, ça va aller très vite, c'est juste pour récupérer. Et on va se quitter là, juste après ça. Car je crois que je viens d'entendre une voiture, je crois que j'ai des invités qui arrivent. Donc, on va se quitter là, rapidement. Ouais, j'ai du monde qui arrive. Bon, bah sur ce, bah je vous dis... Ah, on va juste faire le spin rapidement avant que... Avant que j'aille voir. Eh ben non, bah vous savez quoi, on se fera le spin... Bah demain, lorsque je tournerai le prochain épisode. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous... Oups. Et je vous dis à bientôt.